Bonjour, c'est Fabien de Matchmaker. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment installer Unity et Visual Studio. Alors, en tout premier lieu, pour les personnes qui ont déjà une version d'Unity sur leur ordinateur, vous n'avez pas besoin d'enregistrer une nouvelle version. Vous pouvez, si vous voulez, par contre, ça serait mieux, installer Visual Studio. Pour ce faire, il y aura un lien dans la description qui vous permettra d'accéder directement au site de Visual Studio. Et après l'avoir installé, il faudra redémarrer votre ordinateur et il suffira de se rendre à la dernière section de cette vidéo intitulée Lier Visual Studio ou bien tout simplement d'aller dans la conversation aussi pour voir les dernières étapes qui vous permettront donc de lier Visual Studio à Unity. Pour tous les autres, nous allons commencer à installer donc Unity Hub, puis installer Unity et Visual Studio. Pour ce faire, je vais me rendre donc sur Google. Il y aura aussi un lien dans la conversation pour accéder directement au site d'Unity. Mais là, on va partir de zéro. Donc, je vais simplement marquer Unity. Et je peux aussi marquer Hub en plus directement. Je vais arriver sur cette page-là. On me demande donc de télécharger Unity, c'est ce que je vais faire. Donc là, c'est Unity Hub. Donc ça y est, ça a été assez rapide. Je vais aller ouvrir ce dossier. Voilà, donc j'ai une demande d'autorisation. Et il se lance. Là, il suffira simplement de suivre toutes les étapes. Cela est normalement relativement assez rapide. Et voilà, j'ai juste à fermer. Donc là, c'est la toute première partie, donc télécharger Unity Hub. Maintenant qu'on a téléchargé Unity Hub, il est ici. Dans la section suivante, on va continuer. J'autorise. Alors maintenant qu'on a Unity Hub, on va pouvoir poursuivre pour installer donc Unity. On va déjà commencer par essayer de télécharger la licence. Alors dans Unity Hub, on va cliquer tout en bas juste ici sur Dismiss. Puis on va cliquer sur la flèche tout en haut Préférences. Là. Puis sur installer. Ensuite, on va cliquer sur add. On va sélectionner la version d'Unity. J'enregistre cette vidéo fin janvier 2021. Il se peut que vous la regardiez bien plus tard. Ce n'est pas un problème si la version n'est plus la même, c'est-à-dire celle de 2019, et qu'elle soit plus récente, vous allez quand même télécharger celle qui est recommandée. Pourquoi? Les autres versions sont des versions qui sont en accès anticipé, qui sont en bêta, qui ne sont pas finalisées, donc vous allez simplement prendre celle qui est recommandée, juste ici. Je clique sur Next. Ensuite, là, il faut sélectionner ce que vous voulez implémenter avec Unity. Donc surtout le plus important, en plus du fait d'installer Unity, c'est surtout d'installer Visual Studio. Visual Studio, c'est avec cela
qu'on va coder en C#. Donc si vous ne l'avez pas, si vous avez oublié de le télécharger, vous pouvez toujours le télécharger donc sur le site directement. Le lien est toujours dans la description, comme je l'avais indiqué un peu plus tôt. Donc surtout Visual Studio. Et si je descends, vous pouvez également sélectionner WebGL Building Support. On peut aussi laisser la documentation. Vous n'allez pas forcément vous y référer, mais vu qu'elle n'est pas très lourde, on peut aussi la télécharger. Je vous invite, si vous voulez installer d'autres plugins, à le faire également lors de cette installation. Je clique sur Next. Et là, il faut que je clique sur la petite case, puis Done. Un pop-up s'ouvre, c'est normal. Ça va mettre un peu de temps à installer Unity et Visual Studio. Donc là, la barre de chargement va grandir progressivement. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo et la reprendre lorsque ça sera installé. Vous pouvez vous aussi, pendant ce temps-là, faire autre chose le temps que ça s'installe. A tout de suite. Ça y est, Unity est installé, mais on ne va pas encore s'en servir. On aura besoin de télécharger une licence avant. Donc on va retourner sur Unity Hub, cliquer dessus si la fenêtre n'est pas ouverte. Donc pour moi, c'est déjà le cas. Je vais cliquer sur le rouage en haut à droite, sur Licence Management, et là, sur Manual Activation. On me demande de sauver la licence sur mon ordinateur. Je vais cliquer dessus et je vais choisir un endroit. Ça n'a pas beaucoup d'importance, il faudra juste le retrouver, donc il faudra bien connaître le chemin. Moi par exemple, je vais l'enregistrer sur le bureau. Voilà, une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous. Vous allez vous retrouver sur une page internet. Et là, on se retrouve sur le compte d'Unity. Si vous en avez déjà un, eh bien connectez-vous avec. Si vous n'en avez pas, eh bien je vous invite à vous inscrire. Donc, nous allons créer un compte ensemble. Sur Create One, remplissez ici les champs. Donc pensez bien à mettre une adresse sur laquelle vous pouvez véritablement aller pour confirmer le mail. Confirmez que vous n'êtes pas un robot. Cliquez sur les deux premiers. N'oubliez pas, je ne suis pas un robot. Et ensuite, Create Unity ID. Voilà, vous avez reçu normalement dans votre boîte mail un mail de confirmation. Donc nous allons nous y rendre tout de suite. Moi je vais aller sur celle-là. Je clique sur le mail. Un lien pour confirmer l'adresse mail. Je clique dessus. Je confirme à nouveau que je ne suis toujours pas un robot. Vérifier.
présent, on peut retourner sur Unity Hub. Ici. Et je vais recliquer sur le lien. Il me redemande de me connecter. Donc je vais lui indiquer les adresses que j'ai rentrées tout à l'heure. Ainsi que le mot de passe. À présent que je suis bien connecté, il va me demander donc le fameux fichier que j'ai téléchargé tout à l'heure, c'est-à-dire celui que j'ai mis sur le bureau. Donc je vais le chercher. Et je vais ensuite faire Next. À présent, il me demande quelle version d'Unity je veux utiliser. Alors, on va utiliser simplement la version Personal Edition, donc la deuxième. Dans les choix, je vais choisir la dernière option. Donc je dis simplement par cela qu'on va utiliser donc une petite version personnelle et qu'on ne va pas gagner d'argent avec, ou en tout cas moins de 100 000 dollars de recettes. Donc ça devrait aller pour un premier jeu, je pense. Et je vais cliquer sur Download Licensed File. Je vais enregistrer. Ouvrir le dossier. Ok. Donc là, il m'a ouvert enregistrer un nouveau fichier ici, donc dans les téléchargements. Je vous rassure, on se rapproche de la fin. Nous allons retourner sur Unity Hub une nouvelle fois. Je peux fermer cette fenêtre. Dans le Hub, je vais cliquer sur Next. Puis sur les trois petits points. Et je vais choisir le fichier que j'ai enregistré, donc attention, c'est celui que j'ai téléchargé dernièrement, donc le dernier. Ce n'est pas celui qui est sur mon bureau, c'est le dernier. Donc je vais dans téléchargement, pour moi il s'est enregistré ici. Je peux toujours vérifier par rapport à l'heure, si j'ai un doute. Puis enfin confirme. Et voilà, Unity est installé. Je vais cliquer sur préférences. Sur la flèche, plutôt devant préférences. Et je vais ensuite cliquer sur New pour créer un nouveau projet. Vous allez choisir un projet en 3D, sauf si vous faites un stage spécial 2D, mais sinon par défaut prenez 3D. Vous lui donnez un nom de projet, et vous cliquez sur Create. On va pouvoir ainsi vérifier que tout marche bien, principalement que la fenêtre s'ouvre. Et dans la dernière partie, nous allons pouvoir lier Visual Studio à Unity.
Et voilà, Unity s'est ouvert correctement. À présent, comment lier Visual Studio? Nous allons aller dans Edit, dans Préférences, en bas. Puis nous allons aller dans External Tools, juste là. Vous allez bien vérifier que vous êtes bien tout en haut, bien ici. Et vous allez choisir l'extension. Donc c'est ça qui va nous permettre de coder avec Visual Studio en C Sharp. Donc je clique ici. Et voilà, je peux fermer cette fenêtre pour vérifier que Visual Studio s'ouvre correctement. Je vais faire ici. Ce n'est pas le bon endroit pour créer un fichier, mais pour l'essai, ça ira. Je vais faire un clic droit. Create. C Sharp. Donc, clic droit. Create. C Sharp Script. Je peux lui donner un nom. Et à présent, je vais double-cliquer pour l'ouvrir. Si Visual Studio s'ouvre, c'est que tout est correct. Voilà, visiblement tout va bien. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon stage ou un très bon hebdo chez Magic Maker. Merci beaucoup.